Mains aux rives. Rencontre avec le représentant du PNUD. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean Ravelnarive, avec quelques membres du gouvernement, a reçu aujourd'hui à Mains aux rives Tiko Mamadou, représentant du PNUD et coordinateur du système des Nations Unies par intérim. Une réunion technique en prévision des risques et des catastrophes se tiendra vendredi prochain à la primature, a indiqué ce responsable à l'issue de la rencontre. Oui, enfin, ce matin, donc, nous avions eu le privilège d'être reçus par son excellence le Premier ministre, entre un certain nombre de membres du gouvernement, pour parler de prévention des gestions des catastrophes. Nous avons présenté des scénarios du Premier ministre et à son équipe. Les discussions ont été extrêmement enrichissantes. Je crois que ce que vous retenez, c'est que le Premier ministre, comme d'habitude, a pris des mesures immédiates. Parmi ces mesures, dès vendredi, une réunion technique aura lieu ici à la primature sur la plaine de son lieu de cabinet qui réunira les techniciens de la partie nationale et les experts des Nations Unies pour travailler sur des recommandations qui seront soumises à M. le Premier pour décision. Et nous espérons que ces recommandations-là permettront de renforcer la capacité du gouvernement à prévenir les catastrophes, les risques naturels qui, comme vous le savez, sont souvent des risques qu'on peut prévoir mais qu'on ne sait jamais quand ça va intervenir. Donc, nous sommes dans un processus de prévention de ces risques-là et de gestion. C'est la raison pour laquelle cette réunion ce matin a eu lieu avec le Premier ministre et son équipe. Par ailleurs, la situation du barrage de Tsianspanir a également été évoquée. Si jamais le barrage venait à céder, cela entraînerait des inondations. Même si le niveau d'alerte n'est pas encore annoncé, des mesures de prévention doivent être prises pour éviter le pire, a indiqué Vint Terry, secrétaire exécutif du PNGRC.